cap. Je sais, c'est très impressionnant. Bonsoir les gens, vous allez bien? Oh, ça fait bizarre de vous retrouver. Oh, la caméra, elle est pas bien mise. Attendez. Elle est bien mise? Elle est pas bien mise? On va dire que c'est bon. Du coup, oui, ma relation à Dragon Quest. Faut savoir que Dragon Quest, j'ai toujours eu une relation très compliquée avec. Dans le sens où Dragon Quest, c'est mitigé. C'est mitigé. Oui, mais tu as peu de goût aussi. Oui, mais moi je t'emmerde. Oh, c'est beau, hein. Le jeu est beau quand même. Le jeu est joli, hein. Ça on pourra pas... J'ai vu des gens cracher en mode « Oh, la version Switch, elle est moins belle, à lag !» Oui, bon, écoutez... Bon, les RAM, c'est pas ça qui me dérange le plus dans les jeux, quand je RAM. Et ça reste quand même très convenable, hein. Ah, écoutez ces musiques qu'on a déjà entendues 10 000 de fois et qui sont absolument toujours les mêmes. Ça commence. Ça y est, ça commence à... j'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Il pleut, il y a les rois mages autour de la table. Comme les rois mages en Galilée. Non mais alors eux, 100% c'est pas les gentils, hein. Déjà, on sait que c'est pas les gentils, hein. Ah ouais, ça par contre c'est super creepy. Le monstre est tentaculaire qu'on veut au bébé. En plus je suppose que c'est nous le bébé. C'est nous, il en veut à nous. Oh là, le petit clin d'œil. Ah, ça commence, ça y est, c'est ma meuf. Je vous dis, elle, avant la fin du jeu, je la nique. On va la niquer. Sauf si elle meurt. J'espère qu'elle va pas mourir. Ce serait con. Oui, japonais, oui, écoutez, tout me semble bien les amis. Petit bisou. J'ai galéré à faire mon bisou. Je sais pas si j'ai voulu le faire et j'étais en mode il est loin le micro. C'est vraiment une tapette, putain. Tu sais, je crois bien que je vous ai jamais vu l'un sans l'autre. arrêtez. Voilà déjà si grand. Est-ce qu'il y aura du mariage dans l'air? Putain, mais les forceurs. Les full forceurs. Quand je pense que vous êtes inséparables depuis... Mais c'est très moche comme prénom, Gemma. Et vous êtes maintenant sur le point d'escalader le piton ensemble. Bah après, j'escalade Gemma, donc ouais, le piton, c'est pas un petit obstacle, ça. Bien, l'heure est venue de vous mettre en route. Vous devez atteindre le sommet, prier l'esprit de la terre, puis redescendre pour dire ce que vous avez pensé de la vue. Et je parle pas de ma fille. MDR. Mais bien sûr, Gemma, la meilleure. Comment tu vas, Gemma? Le grand jour... D'ailleurs, tu m'as déjà dit ça, Gemma. Tais-toi. Oh là là. C'est Gemma, comme j'aime Dazer, pas Gemma. Oh, mais quelle bacasse, Dazer. Oh là, mais Alain. J'allais faire voilà, des remarques positives sur son fessier, mais je vais me retenir. Sapristi, regarde cette vue, c'est magnifique, tu trouves pas? Effectivement, oui, ça dépend de quoi tu parles, mais oui, c'est magnifique. Attends, il se passe des trucs là. C'est ma meuf, hein, je suis avec ma meuf, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Topaz? Mais Topaz, c'est un gros chien-chien. Oh, des gluants. Du coup, Dazer, question importante, épée à une main ou deux mains? Ça change quelque chose dans le jeu? Moi j'ai toujours été plus dans le délire épée de main, mais je trouve ça pas stylé du tout de tenir un bouclier. Et ça sert à rien d'avoir une épée à une main si à côté t'as pas un bouclier. Ça me rappelle un peu dans Sword Art Online, c'est exactement la réflexion de Fazuna. Elle fait à Kirito, oui Kirito-kun, Husband d'Odès, pourquoi t'as qu'une épée à une main alors que t'es pas le genre de mec à te la raconter? Et lui il est en mode, oh, Masaka, elle a découvert mon secret. Plus jamais on fait de référence à Sword Art Online, promis. Topaz se... Là c'est Topaz qui se bastonne, hein. J'ai vu le chien devant. Moi, je me bats pas, il y a le chien. D'accord, bon, Gemma, elle est pas très utile. Hein. Parce qu'en plus, après, si elle se fait taper, elle va dire « Ah, j'ai mal !» Je sais. Je suis insupportable, en vrai, bordel de merde. Je suis putain d'insupportable. SAO, ça pue la merde, pardon, je suis un peu vénère, d'accord. Un couvercle de tonneau. Oh, mais pourquoi tu montes sur mon coffre comme ça, toi? Je n'arrive pas à voir qu'il y a des monstres sur le piton. Mais moi, j'arrive pas à croire que tu sois monté sur ce putain de coffre! Et le jour de notre cérémonie en plus. Je suis pas vraiment rassuré, mais on doit continuer. Moi, t'es là pour me servir derrière du corps. Ouais, bah, de ce soir, je te baise, alors calme-toi. Hein. Mais c'est terrible ce que je raconte. C'est terrible, arrêtez-moi! J'ai mon couvercle de tonneau, ça va me calmer, ça. C'est bon, j'ai mon couvercle, tout est sous contrôle. Piton de cobaltin. Oh, c'est mignon! Cette petite caverne là, en extérieur. Oh, on est beau, hein. Je remets ma ceinture et on y va. On peut voir sous la jupe de ma copine? On peut pas voir. Ah non, c'est pervers, qu'est-ce que vous voulez raconter là? Personne va faire ça, c'est pas bien. Ah, le petit garçon. Oh, il a une coupe au bol. Je peux pas aider quelqu'un qui a une coupe au bol, c'est interdit ça.
Le chien, il s'en bat les couilles. Le chien, quand il voit le gamin, il s'en bat les couilles. Mais en vrai, moi, vous savez que je kiffe la pluie. Franchement, j'ai pas envie d'aller m'abriter. En plus, si on reste sous la pluie comme ça, quand on retournera au village, et que le grand-père, il verra sa fille, il dira « Elle est toute mouillée !» Et moi, je pourrais lui dire « Bah, c'est pas de ma faute pour une fois !» C'est un boss. Oh là, ma copine, elle va mourir. Oh, Topaz, va l'aider. Mais on... il est où le chien? Oh. Mais d'un bras, tu la remontes, mec. D'un bras. C'est ta meuf ou c'est pas ta meuf? Mais là, le chien, il doit nous aider. Mais il est où, mon chien? Putain, il m'a jamais autant déçu de toute ma vie, ce bâtard. Le mec, il m'a même pas aidé. Il s'en balèque. Ah, mais en même temps, il peut pas monter les lianes, je suis con. Ouais, bon, bah, écoutez, il aurait pu faire un effort, quand même. C'est vrai que c'est joli, là. Là, par contre, c'est très joli. On dira ce qu'on veut sur les plans où tu vois les petites herbes qui dépassent très sales. Mais là, c'est joli. Là, le jeu, il y a un arc-en-ciel. Topaz, mon chien. Mon bon chien. Waf, waf, waf. C'est vrai qu'on n'a jamais eu d'autres discussions, lui et moi, mais bon. J'avais espoir. Merci de m'avoir ramené Roche en lieu sûr, Topaz. Bon chien. Je savais que tu en étais capable. Roche? Ah, mais oui! Mais il avait ramené l'enfant! Mais oui, mais c'est un bon toutou! Merci, Topaz. Désolé, Gemma, je pensais que ce serait rigolo de surgir pour te faire peur. Je ne suis qu'un idiot. Je ne le ferai plus jamais, je te le promets. Bah, t'es vraiment qu'une merde. Bon, on va pas parler. Mais elle, elle est bonne en vrai. Hein. Cet éclair était incroyable. Vous étiez au sommet du Piton. Mais pauvre, dire que vous aviez subi. Failli. J'arrive plus à parler. Vous avez dû subir une telle peur. Épreuve. Oh là là. On se barre. On se barre d'ici. Elle me laisse. Pas toi. J'arrive plus à parler quand je la vois. Oh, ma ville. C'est ma ville à moi. Pas très belle. Hein. Je l'aime pas beaucoup. Là. On est d'accord que j'avance super lentement. Hein. Putain, on en est à une heure de live. Oh, je suis sûr que ça se fait en 10 minutes ce que je viens de faire. Ah, oh, je suis désolé, les gens. Ah, oh, c'est la meuf bonne, elle. J'aimerais beaucoup visiter Héliodore un jour. Il paraît qu'il s'y passe tout. A chaque fois, elle, j'arrive jamais à lire ses messages convenablement. Je vais passer son dialogue. C'est une sale pute. Le mec trop vénère. Quoi. C'est, elle m'a fait des choses, j'aime pas ça. J'aurais parlé toujours de toi petit quand tu allais pêcher avec ce vieux chaclot. J'ai cru qu'elle allait dire ce vieux charclot. Tiens. Voilà les tout nouveaux adultes de Cobaltin. Vous cherchez le maire, il est chez lui en ce moment. Écoute, j'aurais pas de dire ça, mais il s'est fait un sang d'encre à ton sujet, Gemma. C'est bien normal, c'est ton grand-père après tout. Et il est où son père? Parce que tout le monde parle de son grand-père, mais elle a pas de père? Parce que si ça a sauté une étape là, hein, dans l'arbre généalogique. Topaz, attends-moi mon toutou. Oh là là, mais moi j'adore les chiens. Moi je suis team chien, par contre elle est en train de me manger la bite, j'aime pas ça. Arrête ça, Topaz. Hein. Je sais qu'on est proche, mais il y a des limites. Oh là là, on peut pas le retenir celui-là. Ah, c'est vrai qu'elle ressemble à ça, ma mère. Ah ouais, ça par contre je voulais pas le. Voilà. J'étais. Ah, oui, l'éclairé, oui. Oui, l'éclairé. Oui, l'éclairé, vous connaissez tous l'éclairé. C'est le moment fatidique où il découvre que sa mère n'est pas sa mère, mon dieu. C'était sûr! J'ai un tilté, mais pourquoi le layout avec le cul du héros? Bah, t'aimes pas son petit cul, Farah? Ce qu'il en faut aussi pour mesdames sur ce stream. Hein? On fait des blagues. Mais on pense aussi aux madames. On pense pas qu'au monsieur ici. Eh oui! Pas de discrimination de genre sur ce live. Du coup, oh, il fait tout nuit. Attends, ils ont laissé du pain et du fromage sur la table? Mais c'est des fils de pute. Allez, Mimi, quand même, notre petite Gemma. Mon vieil ami, elle vient de me friendzone, là. Ah ouais, c'est l'abandon, quoi. La meuf, elle a abandonné tout espoir avec moi. Elle a même pas cherché à comprendre. Épuisé par sa longue journée, Dazur sombre finalement dans un sommeil agité. Puis le jour se lève. Sommeil agité, le jour se lève. Oh là 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 là, ça y est, on est prêt à tartiner. On est prêt à tartiner. Paramètres, obtenir récompense, consulter l'e-shop. Vas-y. Bah alors? Bah consulte! Mais comment ça? Mais non! Oh! Rébellion? Mais c'est quoi ça?
L'eShop, il me dit non. Il a cru que j'étais qui? Il sait pas à qui il parle. Ah, les gens, ça c'est semaine prochaine, hein. Attention, vendredi, Pokémon épée, la meilleure version. Parce que bon, on n'est pas des PD, nous on est une épée, pas un bouclier. Oh là là, c'est terrible ce qu'on fait là. C'est terrible, les gens. On est avare à ce point là. Ah ouais, mais il est en 10 secondes. Mais quand même, on est soumis à cette société de consommation là, le besoin de tout obtenir tout de suite. Ah, faut tout mettre. Oh, ça lui va. En vrai, ça passe. Ah oui, c'est quoi, ça passe. Oh, allez, allez. Bon, c'est mais. On est dans le mauvais jeu là. On est carrément dans le mauvais jeu. C'est trop bizarre, je me sens mal. Les couleurs sont... Ah, oh, mais je sais pas. En vrai, j'ai l'impression de jouer à un remake Dragon Quest 8. Bon, moi, je vous niaise, au revoir. Je vous parle pas tous, la flemme. Ah, il y a ma maman. Alors ça, on n'y échappera pas, par contre. La maman, vous voyez qu'elle fait toute la porte du village à elle seule. Là, je la passe par la porte. Hein. Oui, 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 oui. Ah, mais non, j'ai pas dit au revoir à ma meuf. Les gens, question sérieuse, là, avant que je valide. Ma meuf, là, j'aime. C'est son nom, j'aime. Pas, je l'aime pas forcément, mais voilà. Je l'ai ken une fois, enfin, c'est ce qu'on me raconte. Ouais, je suis prêt à devenir pirate, là. Il est où, le One Piece, enculé? Il est où, le One Piece? Bah, on est bon, là. On finit le jeu, maintenant. Oh, j'ai un cheval. Mais oui, j'ai un cheval. Je crois que je me suis jamais servi du cheval. Oh, ma meuf. Attendez, c'est ma meuf, ça. Je l'embarque, mais je la mets sur le cheval, je l'embarque direct. Le roi des pirates, ce sera Dazor. Oui, là, moi, j'y travaille, là. Oh, il y a Topaz, là, qui est trop content de me voir. Topaz, mon toutou. Oh, j'aurais dû emmener Topaz. J'aurais dû emmener le chien. Pas les fans de One Piece, c'est un peu leur niveau intellectuel, donc ça concorde. Oh, c'est méchant. C'est méchant pour les fans de One Piece, Glissy. Faut être gentil avec eux. Ils font des dons, des fois. Mais il est détruit, le monde hors de notre village. Y'a rien qui va. Attends, t'as pas intérêt à t'approcher de Malgrove. Oh, le nom de la ville, tu sens que c'est pas une ville bien. Les monstres qui traînent ne font qu'une bouchée de toi. Sinon, tu peux te rendre à Héliodore. Mais, oh, mais vous avez quoi avec Héliodore? Héliodore par-ci, Héliodore par-là. Moi, je veux aller à Malgrove, je fais ce que je veux. Les gens, ils sont comme ça, là, ils me disent va là. Et moi, si je veux pas aller là. Oh, les salauds. La Malgrove, c'est une jungle. Ah. Ah bon, j'ai pas envie d'aller à Malgrove, alors. On oublie Malgrove. Y'a Nitenchi qui récupère sur le lapin. Ok, on va fermer des lapins. Ah, remerciez-le, hein. C'est de la faute à ce cap. C'est ça, les lapins? Mec, c'est tout sauf des lapins, ça, c'est... Il y a des produits chimiques qui sont passés par là, moi, je te le dis. C'est pas des lapins. C'est des sortes de rats mutants, à la limite. C'est pas des lapins. Je dirais même que ça ressemble à tout sauf à des lapins. La queue de lapin pour looter encore plus d'objets. Oh, mais oui, la fameuse queue de lapin, mais oui, je la connais. C'est ouais, la cousine de la queue de rat. Et la sœur de la queue de renard. Je suis vraiment insupportable, c'est ouf. Il y a peut-être pas de lapin dans cette zone, remarque. Ah merde, mais tu me niques en fait. Et pourtant tu m'as même pas touché, c'est pour te dire. Ça s'appelle un viol à appui du regard. 80 euros d'amende, enculé. Allez, allons là-dedans, il y aura des lapins. Moi je veux les lapins. C'est vrai que Lorraine a un lapin. Qu'est-ce qu'il est gros, putain, le lapin de Lorraine, hein, pas Lorraine. Et c'est catastrophique. Prends toute la place. Musique hors combat. Attendez, écoutez. Oh. C'est ouf, hein, parce que Dragon Quest 8, j'y ai pas beaucoup joué. Mais je trouve que cette musique, elle dégage quelque chose. Elle a une membrane nostalgique. Je sais même pas si ça se dit, une membrane nostalgique. Bref, elle dégage quelque chose de nostalgique, cette musique, je sais pas pourquoi. Mais juste en l'ayant entendue sans avoir spécialement beaucoup, beaucoup joué au jeu, il y a vraiment une ambiance dans la musique, quelque chose qui se dégage. Fibre nostalgique, oui, bah je préfère la membrane. Tu fais ce que tu veux avec la fibre, moi j'ai de la membrane. Regarde, on tue les cornichons. Mais il est trop stylé cet ennemi là, le cornichon. Un concombre rageur. Oh, il est stylé. Les lapins. Lapins. Dans lequel, les monstres caca? Ah, dans un peu tous les jeux. Oh là, oh là là. Oh là 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 là. Rassemble ses forces. Merde, s'il me fait... Est-ce qu'il va me tuer si je fais une grosse attaque? En vrai... J'aimerais me soigner par précaution, mais j'ai envie de me dire, il pourra pas... Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais Dragon Quest, si je meurs, je reviens au point de sauvegarde. C'est mort. On va se rendre de la vie. Comment on se rend de la vie? Bah, ils sont mis obligés... Oh non, faut les mettre...
faut les mettre dans l'équipement du héros. Faut les aimer. Non mais attendez. Bon alors, soit je tente la fuite, soit je tente la fuite, soit je tente de le tuer. Sachant que je dois les tuer en deux coups. En vrai, la fuite, c'est le truc le plus sécurisé, je dirais. Putain, oui. Non ! Oh ! Mais arrêtez-le ! Mais il est monstrueux ! On aurait dû le tuer ! On aurait dû l'attaquer ! Mais vous, j'aurais pas dû vous écouter ! Oh oui, on a réussi ! Oh là là ! Mais dis donc, on vit des choses ! T'as pas d'objet pour soi. En fait, faut les équiper ! Faut les mettre sur soi ! Mais vous me l'aviez pas dit, moi ! Tout ! Mais lui, tout ! Mais tout ! On a failli mourir par votre faute! Oh. En 1h30. Oh, j'ai fait quoi là? Attendez, j'ai activé le Genkidama. C'est l'ultra instinct, ça. C'est... Non, attendez. C'est l'instinct transcendantal, comme le dit la traduction française officielle Dragon Ball. Parce que vous là, vous êtes sur vos trucs de fansubber, ultra instinct. Non, 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 moi je dis l'instinct transcendantal. Kaioken! Tu fais trop bien, Goku. Ah, merci, Gerbli. Je sais aussi faire Mickey! Salut les amis! Hier soir, j'ai eu un petit gang-bang avec Donald. C'était assez impressionnant. Tu as fait une longue route. Eh bien, tu es en sécurité de raison. Tu es presque à Héliodor. Une fois en ville, tu trouveras une sympathique auberge pour te reposer. Tu en as de la chance. Bah, si elle est gratos, ouais. Sinon, bon, faut la payer, Coco. Bon, il y a un intérêt à venir à l'auberge ou pas? Non? Madame? Je passe derrière... Mais attends, mais j'ai le droit de faire ça? Mais j'ai le droit de venir ici? Et personne ne me dit rien? D'accord. Charles est coincé sur le toit! Il ne peut pas descendre! Ouais, au secours! Charles est coincé sur le toit! La petite fille. Ah, c'était une meuf! Vous a demandé d'aller secourir Charles qui est bloqué sur le toit. Mais c'est qui, Charles? Merci, vous êtes tellement gentil. Je vous en prie, sauvez Charles qui est coincé là-haut. En plus, il a le vertige. Charles est dans le pétrin. Bah non, il est sur le toit, il est pas dans le pétrin. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils disent de la merde! Vraisemblablement, il est pas là. Bonjour. Quelle auberge agréable! C'est peut-être la meilleure des Liodor, enfin qui sait. Mais si c'est la seule, c'est sûr que c'est la meilleure. C'est, quand il n'y a pas de concurrence, j'ai envie de dire. Ah, oh! Une mini-médaille. Oh non, c'est chiant les mini-médailles. C'est lui, Charles? Ouais, il ne veut pas me parler, donc on n'est pas prêt de le récupérer. C'est toi, Charles? Miaou! Le chat semble avoir la patte coincée dans un trou du toit. Absolument pas. Il a aucune patte coincée nulle part, là, je le vois. N'importe quoi, il a aucune patte coincée, je ne dis de la merde. Mais on va l'aider parce qu'on est des mecs sympas, nous. Eh ouais, on est comme ça, on est comme ça, on est des mecs sympas. Bon, elle est où la gamine? Eh toi, oh 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 oh, le pognon là. Vous avez réussi, vous avez récupéré mon petit Charles, merci. Merci, 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 tenez, c'est pour vous. Zazor reçoit un sac de litière pour chat. Mais c'est toi qu'on a besoin, pas moi? Mais attends, mais quoi? Mais je m'en bats les couilles, moi, de ta litière là. Vous êtes un acrobate pour avoir un. Bah, j'ai monté une échelle, tu sais. Je suis sûr que vous pourriez même passer par la cheminée. Je suis pas le Père Noël non plus, calme-toi. Il y aurait quoi là-haut? Seul Link peut vaincre Ganon? Mais que diable est-ce que ça signifie? C'est lui, c'est le méchant de l'intro, hein. Finalement, ça se passe plutôt bien. Oh là là. Ce bâtard! Il a dit bâtard! Ça se trouve, c'est vraiment un bâtard et la reine, elle a couché avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible, oui, c'est possible, Al Capola. Calme Zardor, ce n'est pas en faisant des histoires que tu rangeras la situation. Mais j'ai envie de tout casser, moi, il y a peut-être des médailles. Hein. Dans un RPG, on peut toujours sortir d'une... Ok, bon, là, on est dans la merde. Là, vraiment, on peut pas. Les prisons, c'est simple. Bon, on n'y reste jamais longtemps dans les RPG aussi. Et là, là, si c'est vraiment un RPG, t'as une phase dans les égouts pour enchaîner. Oh, s'il vous plaît, pas une phase dans les égouts. Tout met pas une phase dans les égouts. Hein. Moi, je veux mon épée. Ah! Bah, je redeviens pirate tout de suite. Hein. S'il vous plaît, pas les égouts. Pas les égouts. Pas dans des égouts, hein. Ça va être quoi, des égouts? Eh bah, allons-y. Mais pas dans des égouts, s'il vous plaît. Hein. Tout met pas les égouts. Moi, je veux pas les égouts. Oh non, c'est des putains d'égouts. C'est des égouts. Évidemment. Ah, les égouts! Bon, c'est pas grave, j'ai ma petite torche, ça donne un peu d'animation.
Attention, hein, Nino Kuni, je suis passé dans les égouts. J'ai pas relancé le jeu depuis. Et, oh là. Ok, on court, on court. Donc là, on explore pas, on court. À droite ou à gauche? À droite ou à gauche? À droite. Oh putain, il y a un mec à droite, je vais à gauche. Il y a un mec à gauche aussi. Fais comme moi. Mais tu fais quoi? Tu sais, moi, j'ai l'éclairage, hein, il me voit direct. Éteins cette... Voilà, merci. Il est pas trop con. Mais je suis littéralement passé devant, là, en fait. Oh putain! Mais il me voit de ouf! Oh, la pire phase d'infiltration au monde! Ramiator, ça va jeter un oeil. Mais c'est tellement mal branlé! T'es pas pris du tout par la phase! C'est tellement mal foutu! Non mais c'est quand même ridicule, le pont qui s'écroule. En vrai, un caillou mal placé quand tu tombes, là t'es mort. Hein. Dans le crâne, blam, c'est fini. Hein. Plus de jeu. Là, le Dragon Quest 8, 9, on a... Ah, le 11, putain, mais il y en a combien maintenant aussi? Quelle idée d'avoir des chiffres à chaque fois. Hein? Du bouche à bouche. Du bouche à bouche. Là, toutes les filles en mode... Ah, du bouche à bouche. Oh, il y a un dragon. Mais non. Mais le dragon, il est stylé sa mère. Non mais quelque chose, non mais c'est un dragon mec, c'est pas quelque chose, c'est un putain de dragon. Oh mais non, mais y'a pas de boss dragon. Oh, je suis dégoûté. Oh, je voulais le combattre. Du coup, on a une phase d'infiltration avec le dragon, c'est ça? Comme dans Shrek. Restons pas là. Bah oui, bah, je sais pas comment tu t'appelles moi. Laisse-moi passer devant et tout se passera. Mais attends, mais c'est Crash Bandicoot. Mais on est plus dans Dragon Quest, on est dans Crash Bandicoot, c'est incroyable. On passe d'un jeu à l'autre. Faut s'arrêter. Oh bordel. Ça ne s'arrête jamais, incroyable. Ah, ça c'est intense, ça j'aime bien. Moi quand il y a des faces comme ça, je... En vrai c'était tendu, on aurait dû crever là. On est peut-être mort, hein, je sais pas. Et c'est ce qui s'appelle avoir le feu aux fesses. Le feu aux fesses. Oh mais ils sont encore là. Mais à un moment arrêté. Ça en devient ridicule là. C'est Benny Hills le bordel. Mais c'est ça ne veut plus rien dire. You're too slow. Sonic. C'est Sonic. Je m'appelle Eric. Ah. Bah Sonic c'est pas mal non plus, mais franchement appeler le Sonic, non mais là je suis désolé, là chez Square, hein, les mecs là au Japon, quoi, ils ont créé le jeu, tu vois, mais moi c'est Sonic direct. Oh je suis dégoûté qu'il s'appelle pas Sonic franchement. En vrai il a une tête stylée, mais enfin, je le connaissais déjà, j'avais déjà vu je sais pas. Mais Sonic direct, Sonic, non pas Sonic. La photo, photo souvenir, c'est comme dans les fêtes foraines, la photo. Ah le jeu commence. Ça y est, au bout de 3 heures, on a le jeu commence. Ah, ça, c'est la musique, voilà. La musique iconique des Dragon Quest. Des dracs, comme disent les Japonais, parce que les Japonais, ils aiment bien prendre deux mots, en faire qu'un. Dragon Quest, drac. Ah, lui, je le veux pas dans mon équipe, hein. Lui, il est dégueulasse. Ah, elle, par contre, je la veux dans mon... Alors, je la baise, elle est dans mon équipe direct. Ça, c'est... Je le contrôle. Je la baise. Je l'avais dit qu'il était méchant, lui. En fait, on passe tout le jeu à se faire poursuivre, quoi. Trop cool. Il y a un royaume, le mec d'un château tout pourri, qui me colle au basque. C'est stylé, quand même. Mais elle est belle, l'intro, hein. En vrai, ça... Y a, voilà, les pixels, ils ont du mal. Mais bon. Regardez, voilà. Oh là là. Ah, maintenant, on va sur Fortune Street, hein, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de jouer à Fortune Street. Tu as pas passé la pire passe. Le... Attends, tu as passé la pire passée du jeu. D'accord, j'ai compris. Donc là, on a fait l'intro de 3 heures. Le jeu commence. Oh, la musique, elle est triste. Un petit row pour surmonter le moral. Je déteste quand les gens font ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Allez, allons avec Sonic dehors. Là, piece of cake. Hein. Il est dans mon équipe ou pas? Elle est pas encore dans mon équipe. Mais la musique là me... Oh la déprime. Ah demain je vais... Mauvaise journée demain. Ah non, on va avoir une vieille tenue. Ah j'ai pas envie moi, je veux ma tenue... Moi je suis le roi des pirates. Mais il est où le roi des pirates là?
Mais mec, on passe encore plus pour des mecs louches, là. On est encore 20 fois plus louches. On a gagné en louchité. Bon, alors, on va tout de suite changer ses fringues, parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein? Ah, mais non, mais je peux vraiment pas. Mais c'est catastrophique, ça. C'est complètement catastrophique. Non, non, non. Attends, on fait le tour de l'église. Histoire de me rappeler que je suis pas croyant. Et on y va. Non, mais on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Toi, là, hé, mamie. Sauvegarde. Sauvegarde, mamie. Demain, 21h, on continue si je suis en forme. Si pas, bah tant pis. Voilà, ce sera mardi, 21h. Si pas, ce sera mercredi, 21h. Si pas, ce sera jeudi. En tout cas, ce sera pas vendredi, parce que vendredi, c'est Pokémon. Eh oui. Là, des bisous. Sur le micro. C'est terrible, je fais plus jamais ça. On arrête. On arrête tout.